Cette bague sera toute propriété du Wakanda. Je ne laisserai pas du vibranium traîner, susceptible de tomber entre de mauvaises mains. Très bien, Votre Majesté. Je veux que Clo vivant, son sort sera jugé en Amérique. Cela fait 30 ans que ce trafiquant nous échappe. Il sera jugé au conseil Wakanda. On en reparlera plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Vous et moi savons très bien qu'on ne peut plus le laisser en liberté. Je vous propose une séparation. Le premier qui attrapera Clo en fera ce qu'il voudra. Accordé. Je monte si ça ne vous dérange pas. Bonne chance, Agent Ross. De même pour vous. Personne ne connaît les vraies capacités du Vibranium. Et les mecs, ils en font nader. Pathétique. Le mec de la CIA, oh, il est là pour la bague. Mais au moins, ce putain de moucher marche. Si on allait leur rendre une petite visite. Attention, c'est peut-être un piège, boss. T'inquiète. Je prends les choses en main. Je n'ai pas qu'un bras droit, je Salut mec, je suis à la recherche d'une bague d'origine africaine. Tu pourrais m'aider s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Allez, dites. Tout d'abord, dites à votre homme de ranger son arme et on pourra discuter. Détendez-vous, il va pas vous faire de mal. Il est gentil. Il fait même pas de mal à une mouche. Allez, détendez-vous. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est quoi ? Je vais lui dire de lâcher son arme. Pas un geste! Allez, lâche ton arme. Fais plaisir au nouveau. Il connaît pas toutes les règles en plus. Sois gentil, accueille-le bien. Allez, lâche cette arme, dépêche-toi. Donc tu veux crever, c'est ça? Écoute-moi, gosse. Obéis au boss et peut-être que tout se passera bien pour ta gueule, tu vois? Allez, passe-moi sa vermine. Merci. Où est la bague? Très bien. Tire, s'il cligne l'œil. Je vous souhaite une bonne journée, agent 007. Maintenant, tu restes avec moi. Histoire que le boss revienne avec la tête de la panthère. Vous savez que vous n'êtes qu'un pion dans son petit jeu? Baissez votre arme, on s'arrangera sur votre peine. Ferme-la, vermine, si tu vas encore vivre, ok? Tu vas boucler ta grosse gueule et comme ça tu vas respirer encore. Tu comprends, c'est ta vie qui est en jeu, espèce de con. Je vous rappelle. Tiens là! Claude se dirigera vers vous. Ne vous en faites pas pour moi. Bonne chance. Sa Majesté le Roi, fini de jouer à cache-cache? Allez, donne ta langue au chat. Après tout, vous êtes proche, hein? De bêtes sauvages qui mériteraient de crever en un claquement de doigts. Allez, montre-toi. Vous méritez même pas toute cette richesse. Rien qu'avec un de ces cailloux, on peut faire des tas de choses incroyables. Wakanda peut aller se faire foutre et vous, faites quoi? Faites que de vous cacher, bande de mauviettes. Allez, montre-toi un petit peu, connard. Espèce de salopard. Sors de là, on va peut-être s'arranger pour que tu meurs plus rapidement. Putain, qu'est-ce que t'as fait à mon pied? Maintenant, la ferme. T'as cru qu'on oublierait? C'est dingue, t'es pas entre chez ton père. Il était bien plus faible que toi, mais beaucoup moins stupide. Toute une condoléance. C'est triste, hein? Connard. C'est fini pour toi. Tu vas payer pour tes crimes. Pas du tout.
Bien joué, Vermine. Tu croyais vraiment que j'allais venir tout seul, sans moyen de renfort? Moi aussi, j'ai mon petit joujou perso. Ross, répondez-moi. T'Challa, vous allez bien? Répondez. Les anges bloquent la communication, Avati. Quand je te disais qu'un caillou suffisait à faire des miracles, c'était pas du bluff. Tu vas connaître la fureur du Black Panther. Joli le chaton. Où t'as trouvé cette arme? Je l'ai conçue avec une des prothèses du coin. Arrête de dire. Oh, pitié! Tu respires encore parce que j'ai pitié de toi. Ça fait des années que j'attendais ça. Ouais, boum! C'était putain de génial, t'en as mis du temps, bordel. Allez, barrons-nous de ce merdier. Tu veux aller au Wakanda, c'est ça? C'est des sauvages. Regarde ce qu'ils font aux gens comme nous. Et moi qui t'ai pris pour un de ces fêlés d'Amérique. Ross, vous me recevez? Klaus s'est enfui, un de ses hommes a débarqué. Je crains que nous avons tous deux perdu notre pari. Klaus est mort. On a affaire à un professionnel. Attendez. Il a laissé la bague wakandaise ainsi qu'une bague de vibranium. Il n'est pas venu pour l'argent, n'est-ce pas? Quoi? C'était pas possible. Selon mes connaissances, auriez-vous de la famille qui traîne avec des mitraillettes et des grenades? Comme je le disais plus tôt, j'en fais une affaire personnelle, voire même nationale. Maybe they like them, but please, my let me know.
I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit. Yeah, let's talk about love. Is it everything and everything you offer? How do you feel it hard, yeah? I know you feel it hard, yeah. Cause maybe the night that my dreams might let me know. All the stars are closer. All the stars are closer. Très bien, Agent Ross. Le Wakanda dévoila sa vraie nature à l'ONU. L'implication de Killmonger dans la mort de Klo et son règne éphémère m'ont permis de changer mon point de vue. Désolé, je dois vous laisser. Majesté, est-ce que Bucky va bien ? Sa mémoire est presque rétablie. Je vous assure que nous prenons bien soin de lui. Est-ce que Stark ou le gouvernement a tenté de vous contacter ? Le danger est toujours là, Captain. Il approche à grands pas, mais je vous assure que s'il s'avéra nécessaire, nous le stopperons. En dehors de cela, vous et vos vengeurs seront accueillis comme il se doit, vous êtes les bienvenus. Merci, mais nous ne sommes plus des vengeurs.